Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder le thème de la fluidité dans les relations, notamment dans les relations amoureuses. Quand nous faisons connaissance avec quelqu'un, en général, nous discutons par SMS, on s'appelle et on se voit. Et lors de ces échanges, de ces nombreux échanges en général, il va y avoir des couacs. Dès le départ, vous allez savoir que c'est compliqué de discuter et de se faire comprendre et de comprendre l'autre. On a dit une phrase qui a été mal perçue, l'émoticône n'a pas parlé à l'autre, voire même il ne l'a pas reçue. Il va y avoir une succession de décalages dans vos discussions qui va générer des incompréhensions, des quiproquos, des colères, même des disputes. Et du coup, bah, déjà, vous avez des éléments. Un élément fondamental, ça ne passera pas avec cette personne. Toutes les personnes qui me racontent ce genre de décalage dans la relation en termes de communication ben, n'aboutissent pas, tout simplement parce que on n'est pas sur la même fréquence, tout simplement. Ça marche aussi sur les amitiés, bien évidemment. Ce que je voulais aussi dire, c'est que des fois, il y a des couacs, pas au niveau de la communication, c'est plutôt fluide et agréable, et on se sent bien et il y a même une fusion qui pourrait commencer. Mais au niveau des rendez-vous, il va se créer une forme de décalage, c'est-à-dire que la personne bah, va avoir un gros empêchement ou ce sera vous la fois d'après. J'ai envie de dire, à ce moment-là, essayez de freiner, ça veut dire que vous n'êtes pas sûrement sur un bon timing, tout simplement, et de persévérer, persévérer, et d'enchaîner des frustrations, c'est pas toujours compliqué. Pour moi, je ne crois pas au hasard. Donc, si on fait une rencontre, peut-être que il va falloir attendre un petit peu avant de mettre la relation, on va dire, en fonction, et peut-être que de se téléphoner ou de s'écrire, ça va être un premier prémisse à la relation et que de vous voir vraiment en permanence, c'est trop compliqué pour vous en ce moment. Soit l'un des deux n'est pas prêt, soit la relation n'est pas prête tout simplement, soit malgré le fait que ça fonctionne au niveau de la communication, vous n'avez rien à faire avec cette personne. Donc essayez aussi de prendre en compte les petits messages de la vie. Ils ne sont pas là pour rien, en tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.